Pour la première fois depuis sa création en 1964, l'emblématique calendrier Pirelli a été réalisé par un photographe africain. Il s'appelle Prince Giazi, il est Ghanéen, il a 28 ans et il a choisi le thème intemporel pour le calendrier qui chaque année met en avant les plus grandes stars du monde. C'est l'instinct naturel qui m'a poussé à me replonger dans mes souvenirs d'enfance et à reprendre les histoires que j'ai vécues en regardant toutes ces personnes à la télévision, en les écoutant. Ils m'ont beaucoup inspiré. C'était donc très naturel pour moi de m'intéresser à ces célébrités, car ils font partie de ma vie. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps pour identifier ceux que je voulais photographier. Je suis très reconnaissant qu'ils aient tous dit oui. Dans l'édition 2024, intemporel de Giazi figurent des personnalités comme Naomi Campbell, la poète Amanda Gorman et l'actrice américaine Angela Bassett. Je n'aurais jamais imaginé recevoir une telle invitation. Je me suis dit, moi, vraiment, car c'est incroyable. Non seulement je participe à cette œuvre qui existe depuis des décennies, mais en plus, elle est photographiée pour la première fois par un Africain, alors j'étais impatiente. Et c'est aussi très significatif en tant que femme noire de pouvoir participer à ce calendrier qui prône la représentation. J'étais vraiment ravie. Et je pense que lorsqu'ils m'ont demandé de participer, je ne savais pas qui allait être photographié. Mais je savais que c'était Pirelli et que c'est emblématique. Alors j'ai dit oui, et c'était génial. Et en plus, j'ai découvert que Prince est le premier Africain et le plus jeune à le faire. Et ça, c'est tout simplement passionnant. Alors j'attends avec impatience de voir ses prochaines œuvres. Dans le calendrier Pirelli apparaît également la royauté ghanéenne, Sa Majesté Otumfo Osetutu II. Un représentant du roi a même fait une apparition lors de l'avant-première à Londres.